that's the ticket. Sit still, stand up. These grills are putting me to sleep. Your last words don't mean a thing. Don't drop them all and walk away. Display your guts on the floor. And all I ask is if you know that it's over, then why don't you just drop by? Break out the farewell sign. We'll always take this the wrong way, but needless to say, it's alright. What's up guys, Power Julien RPZ, et aujourd'hui on se retrouve bien pour un nouvel épisode de Borderlands 2. Et aujourd'hui encore une fois, je me retrouve solo, j'ai envie de dire. Donc on va se faire un petit peu les robots du truc. Donc en fait vous m'avez dit que vous alliez m'aider et tout, franchement j'étais super content. Mais bon, je vais oublier quelque chose, c'est que maintenant vraiment il y a l'école et le gros problème c'est que personne n'est connecté. Donc j'ai vérifié d'abord évidemment s'il n'y avait aucune personne à ma connaissance qui avait Borderlands 2 connecté, tout bonnement sur le PlayStation Network. Et malheureusement, personne n'est connecté. Il est quand même 18h et j'ai un DM d'anglais à faire. Bon, vous comprenez, c'est un petit peu compliqué. Et vu que je suis très mauvais en anglais, mon meilleur ami, c'est Reverso. Merci Reverso, I love you. Je sais pas si vous lovez Reverso comme moi, mais moi, plus que du love, je sais pas, c'est de l'admiration presque. Parce que franchement, ça me fait gagner un temps fou que plutôt, franchement, travailler une matière qui ne m'intéresse pas plus que ça. Bien que je sais qu'elle me sera vraiment utile, surtout dans le métier que je veux faire, mais bon. Faut savoir que je suis un méga, méga flemmard quand c'est des choses qui me fatiguent plutôt. Donc voilà. Oh putain, alors là, franchement, il y a beaucoup trop d'ennemis à mon goût, mais au moins on va up. Normalement, on devrait up. Donc ça serait bien que. Voilà, ça c'était obligé. Pourquoi il a pas pris de dégâts, je ne sais pas. Ne me posez pas la question à moi. Et le Jacob, j'espère qu'il va me sauver. Non, non, il va pas me sauver. Eh merde. Et si. Oh oh oh, il y a eu un coup critique là ou un truc. What the fuck. Vous êtes sérieux. Oh putain, il fait mal en fait. Eh oui, tiens bouffe. En fait ça dépend, je crois qu'il y a un pourcentage de chance pour qu'il fasse très mal ou pas. J'ai pas compris le principe encore. Non non, pour le moment il fait vraiment très 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 mal. C'est peut-être parce que je dois fail des balles au bout d'un moment. Non, non, je mets des critiques en fait. Ouais, donc ça c'est fait. Donc je me retrouve seul malheureusement encore une fois. Mais je vais essayer de gérer pour le coup. Alors ma tour elle est là. S'il y a Ressorturn qui spawn, je pète un petit câble quand même. Parce qu'ils m'ont fait, comment dire, réapparaître un peu loin de la dernière fois où j'étais en fait. Du précédent spawn. Et j'en... Oh putain, il y a ma tête qui tremble. Oh putain, je suis pas proche, je sens Saturn de retour là. Eh merde, Saturn est de retour. Je suis dans la... Je suis dans la grosse merde les gens. Bon alors je vais vous dire en fait à quoi j'avais pensé pour les épisodes de Borderlands 2. Parce que vous voyez que ça devient justement le bordel complet. Même si Borderlands ça veut pas dire ça. Ça veut dire terre frontalière. Oh my fucking god. Voilà, en fait j'avais pensé à stopper le let's play Borderlands 2 à la sortie de Far Cry 3. Car je ferai le let's play sur Far Cry 3 aussi. Et de le reprendre à la Noël, pour les vacances de Noël tout bonnement. Je pense que ça serait une bonne idée parce que comme ça au moins les abonnés, vous donc, pourrez y participer. Je penserai à vous évidemment parce que je vous rappelle que pendant les vacances c'était vraiment le kiff, tout le monde pouvait participer à mes épisodes de let's play, c'était vraiment super. Mais là on peut vraiment rien faire malheureusement à cause de l'école. Alors l'école nous gavera toujours franchement. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, il va falloir qu'on se la fasse comme ça. Et c'est comme ça que je la ferai. Donc j'arrêterai le let's play Borderlands mais vraiment pour pas longtemps quoi. Ça fera quoi, allez, maximum, grand maximum 3 semaines, et je crois même que j'abuse. Non, ça sera 3 semaines. Donc j'arrêterai le let's play pendant 3 semaines et on le reprendra avec avec vraiment les abonnés, quoi, et vous qui voulez me rejoindre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont rajouté sur Skype pour justement ça, mais qui ne peuvent pas faire grand-chose, évidemment, vu qu'on n'a pas les mêmes créneaux horaires, etc., et que c'est vraiment plutôt lourd. Donc quand il n'y aura pas de vacances, je privilégierai, voilà, j'ai un peu du mal, les épisodes, les let's play solo, évidemment, parce que j'ai pas besoin d'être en coop. Enfin, c'est beaucoup. Voilà. Y a pas de coop possible, quoi. Donc, je ferai les let's play solo, tout bonnement. Far Cry, évidemment, il y a un let's play coop et un let's play solo, mais je ferai pas de let's play coop pour le moment sur ma chaîne. J'ai proposé à Juju2 d'en faire un sur sa chaîne, parce que ça va vraiment marcher, à mon avis, un let's play coop.
sur ce jeu qui va être vraiment énorme comme Far Cry 3. Franchement, c'est un jeu épique. Et ben moi je ferai le solo sur ma chaîne, en tout cas ça c'est sûr et certain. Et il sort le 29 novembre officiellement. Donc vous avez vu que c'est vraiment dans pas très longtemps. Et c'est peut-être même notre dernier épisode, enfin mon dernier épisode Borderlands 2 jusqu'aux vacances de Noël, tout bonnement. Donc voilà, il va falloir aussi que je reprenne certains, let's play qui sont déjà en pause, comme Resident Evil 6 avec Selkie, car maintenant il l'a, tout bonnement. Poussy, je vais juste changer mes armes parce que j'ai plus grand chose, quoi. J'ai un fusil d'assaut. Alors, quel est mon fusil d'assaut le plus puissant? Bazooka, j'ai pas de... Ah si, j'ai 4000 de bazooka. Oh, je sens que je vais me faire plaisir. Alors, attendez, ça, j'ai plus rien, ça c'est sûr. Mais comme fusil d'assaut, j'ai pas de fusil d'assaut. C'est quoi? J'ai gardé ce fusil à pompe de merde? Ça fait longtemps que je l'ai, non? Bon, bah, fusil d'assaut. Non, mais je pense qu'en fait, c'est peut-être plus rentable l'autre fusil d'assaut. Attendez. Il est où? Celui-là, il est bleu, 256, on va le prendre. On va voir ce qu'il donne. Et le sniper, voilà, c'est parti. Donc, on va utiliser le bazooka, vous allez voir qu'il est vraiment bon. Boum, 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 boum. Hey! Ah, je lui ai fait déjà perdre plein de vie là. Et là, on va utiliser notre fusil d'assaut que j'ai pas trop testé. Enfin, que j'ai pas eu trop le temps de. Et merde! C'était évident. Ça, c'était évident. Je pense que Saturne, je vais devoir l'éviter parce que c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut glitcher pour buter Saturne. Et merde. Allez, boule. Je suis full dégoûté. Ok? Tu me captes? Capiche ou not capiche? Bon, enfin bref, ça va être un petit peu chaud de faire la quête principale, vu que j'ai vraiment pas le level apparemment. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Putain, Saturne. Il a pas récupéré ses tourelles. C'est le moment. C'est le moment d'attaquer. Allez, on va se le faire. Allez. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. En plus, il va nous louer des bons trucs, je parie. Donc, attendez, on va utiliser le petit glitch que j'avais trouvé pour buter Saturne. Donc Saturne respawn, donc c'est vraiment déjà une bonne nouvelle pour les personnes de niveau 30 pour se faire de l'XP et des bons drops. Donc je savais pas, moi je pensais que c'était juste un boss comme ça. Et ça m'aurait peut-être même arrangé que ça soit qu'un boss comme ça parce que maintenant je suis un peu dans la mouise en fait pour me le buter. Alors, attendez, allez. Il fait perdre pas mal de dégâts ce fusil d'assaut. Il a pas intérêt à se casser ce bâtard là. Allez, il prend pas mal de dégâts là. Je pense qu'on va être bon. On va se le faire plutôt easy. Et ça va nous faire passer au niveau 29 et avec des nouveaux loot. Donc je pense que qu'on pourra gérer la suite. Alors attendez, il a... Ah, t'essayes de me choper comme ça mais t'arriveras pas, laisse tomber mec, c'est une sorte de glitch. Saturne essaye avec son intelligence artificielle de me choper mais il ne va pas y arriver malheureusement pour lui. Je te plains, tu ne peux absolument rien faire à part te prendre les balles vu que tu es programmé pour ça. Allez. Donc bon, c'est vrai que c'est... Putain, c'est dommage qu'il soit pas... Il pouvait pas être en tir continu cette merde. Ouais, mode tir rapide. Ah putain. C'est pas comme une Jacobs. Ça se sent tout de suite. Il y a du ressenti, moi je vous le dis. Allez. Bon. C'est trop énorme, vous avez vu le temps que je mets pour le buter? Oh mais c'est génial. Bon, attendez, on va juste contourner là. Hop 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 hop. Je vais te balancer une tourelle à la gueule et ce serait bien que tu... Oh putain les avions. Oh putain les avions. Il va me choper, il va me choper, il va me... Eh même pas. Ah si, un peu. Bon allez. La tourelle, elle lui tire dessus ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait ma tourelle? Ah si si si. Enfin c'est plutôt Saturne qui lui tire dessus pour le moment. Bon, j'ai bientôt pu avoir de balles de fusil d'assaut, c'est super. Allez. Mais c'est lent. Oh my god, regardez, je lui fais perdre du... dans les 2 à 300 PV. Enfin, ça se rapproche plutôt de 250. Et franchement... Oh putain, ça prend du temps. Je sais pas combien il a de PV, ce bâtard-là, mais... Il en a beaucoup. Donc j'ai des fusils à pompe, mais je vais pas pouvoir faire grand-chose avec. On va recharger notre pistolet qui est vraiment bon. C'est celui que j'avais drop d'ailleurs sur lui. Regardez, il fait du 580. Et lui, pour le coup, il mitraille. On voit même à œil nu sa barre de vie descendre quand on tire avec, avec celui-là. Et ça, c'est vraiment buenos. Mais bon, sa barre de vie paraît longue, très longue. Allez, ça descend, ça descend, ça descend. Allez, mec, tu peux pas le faire. Bon, j'ai ma tourelle, je vais aller la balancer. Voilà. Tourelle no jutsu. Oh merde. Non. Pas les petits avions. Putain. Super. Tourelle no jutsu. Attends, vas-y. Putain. Ok.
Ok. Ok. Et j'ai du fusil à pompe. Mais j'ai que ça. J'ai que du fusil à pompe. Non, j'ai du sniper. Et c'est quoi ça? Ah, j'ai de la mitraillette. Ah bah voilà, bah dis-le moi. C'est une mitraillette ça? Une mitraillette qui fait 405 de dégâts et tu m'as... Putain, ils me disent même pas. Mec, t'as une mitraillette qui fait 405 de dégâts. Personne dans les commentaires, ils ont dit ça. Allez, là. Bande d'enfoirés. Vous êtes vraiment des traîtres, en fait. Hein. Vous êtes que des petits bâtards. Hein. C'est ça. Non, on va plutôt privilégier les dégâts que le nombre de balles, vu que je peux pas me faire toucher. Enfin, enfin, bref, voilà. Vous m'avez compris. Puis merde. Hein. Donc, on va tester ce sniper. Oh, putain. Ma tourelle. Allez. Recharge. Oh, c'est classe. Regardez, la lunette se retire pour pouvoir faire place au chargeur. Pourquoi ça passe pas? Ah, voilà, ça chopé des avions en fait. Allez, recharge vite. Bon, il est pas. Il est style, mais pas super utile, on va dire. Voilà, bon, ça c'est fait. Bazooka inutile. Merde, il va se barrer. Il va se barrer. Changement d'arme. Oh! Je suis. Qu'est-ce que. What the fuck is there? Oh non! C'est quoi ce glitch moisi? Oh les mecs, je me suis... Hein? What? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me suis transformé en abo! W... Attendez. Hein? Mais pourquoi je me suis... Hein? What the fuck is there? Je peux plus bouger! Bouge! Qu'est-ce que tu fais? Oh mon dieu, mais c'est quoi ça? Les mecs, je me suis transformé en abo. WTF. Ah, c'est l'arme qui fait ça. C'est l'arme qui se transforme en abo. Ok, carrément. C'est quoi cette arme? L'arme WTF. C'est épique. Oh, j'avais pas compris, je me disais mais pourquoi je bouge plus là. Boum. Attendez, mais c'est quoi ce WTF? Regardez, je suis tout petit. Attendez, ah non. C'est quoi ça? Oh, this is, oh my god, Hot Button Bane. En Espagne, reste essentiellement dans les plaines. Mais ça dit pas ça. What the fuck is there? Oh, une arme qui me transforme en abo? WTTF quoi. Oh, oh mais c'est épique. Attendez, c'était laquelle? C'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est n'importe quoi. Oh les mecs, j'ai trouvé une mitraillette. C'est n'importe... Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. N'importe quoi. Oh. Épique. Oh là là les gens. J'ai surkiffé. Mais j'avais pas compris au début, je fais je peux plus bouger, et c'est qui parle putain. Énorme. Tu me prends pour un monstre. Pourquoi il répète la même chose que la dernière fois? Putain, ça avait pas sauvegardé. L'ange est mon esclave. Alors. Mais si tu savais ce qu'elle a fait à sa propre mère. Hop. Oh le bazooka. Oh, bazooka 10 000. Tu comprends ça? J'avais pas le choix. Deux secondes, je vais jeter des trucs parce que là j'ai un bazooka à 10 000 quand même. Non, ça coûte cher. Qu'est-ce qui coûte le moins cher chez moi? Ça. Ça sert purement à rien, ça non plus. Ça encore pire. Alors après, ça. Et ça. Voilà, donc là on va récupérer. Oh putain, ça bug bien un peu. Sûr. Il devait l'exploiter pour la gloire et le profit surtout. Ne l'écoute pas, chasseur de l'arche. Il a tué l'ange bien avant que tu la débranches. Hop. Ça, c'est une arme qui la loot. Je ne te permets pas de parler de ma fille. On va prendre ça. Et ça. Le flingue à 618, je crois que c'est bon. Hein. Il est bon, ouais. Elle a la langue bien pendue, hein, pas vrai? Bon, allez, ferme ta bouche, je vais me up. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Je vais me faire ça. Et dans 2, je pourrais m'acheter la capacité spéciale, donc au niveau 31. Le médium que je lui injecte, c'est que je peux la poignarder. Et la poignarder. Et la poignarder. Attendez 2 secondes. Maintenant que j'ai un putain de bazooka à 10 000, bah, je vais pas m'en priver. Voilà. Et je sais qu'il va avoir un constructeur brutal, donc je vais plutôt le garder pour ça. Putain, il est un peu chiant quand même ce flingue.
épique. Oh merde, j'ai plus de balles. Oh putain, le viol. Bon, je prends le bazooka ou pas finalement? Attendez, je prends quoi là? J'ai un meilleur sniper. Merde. J'ai des balles de fusil. J'ai 18 balles de fusil d'assaut, donc on va faire ça. Hein. Ils sont où? Putain, ils puent un peu la merde avec leur RPG là qui tire à l'infini. On va tirer avec le bazooka parce que ça m'a gavé. Il l'a pas pris? Il prend ou pas? J'ai pas compris là. C'est passé bug. Jacobs. Oula, ça les a calmés en fait. Ça envoie pas vraiment des missiles, ça envoie des bombes en fait. Des sortes de grenades. Ouais, c'était ça. Putain, c'était ça que j'avais pas envie. Oh, vas-y, recharge, recharge, recharge. On va se planquer. Allez. Ah, ça tire 4 balles d'un coup. Truc normal quoi. Allez, recharge. Et on va balancer une tourelle. Oh la vie, regardez. Oh, oh le bazooka pas abusé du tout. J'ai one shot le constructeur brutal. Oh my god. Oh, je suis trop content. Alors qu'est-ce qu'il a loot? Un bazooka comme ça, bon ça coûte cher, je vais sûrement le ramasser. Alors c'est quoi ça? Explose comme une grenade une fois rechargée. Bon, on va prendre ça pour le kiff. Ensuite il y a du fric là et ça, ça se revend. Voilà, donc on est bon à ce niveau là. Bah d'ailleurs apparemment il y a un magasin qui est ici. Je crois qu'il est en bas, merde il est en bas. Bon c'est pas grave, on va aller par là. Tac tac tac, Hyperion, une face. Oh putain, on va aller buter d'abord. Oh non, non il y a un autre signal, j'ai mis pause. Bon, il y a eu un signal pour pas qu'il décale son. Je reprends et il nous reste 10 minutes de vidéo. Attends tout le monde. Nous voilà de retour, mes amis. Oh putain de merde, je vais me faire. Oh non, vous êtes sérieux? Je me fais buter là. Non, 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 non. Dégage. Dégage. Régène-toi, bouclier. Oh putain, non. Non, non, je suis pas d'accord. Da 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 tomelu, da 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 da. Pour ceux qui connaissent la série Belzébub, manga énorme. Enfin, je veux dire la série animée plutôt. Da 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 da, 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 da. J'ai trop kiffé. Franchement, je pense que c'est mon animé préféré avec Fullmetal Alchemist Brotherhood. Deux mangas que je vous conseille. Et oui, je suis un grand fan de manga. C'est pas pour rien que j'ai créé une chaîne communautaire dessus. Et meurs, sale pute, sale biatch. Madame Biatch, comme dans la blague de Cyprien. Tu es à moitié poli. Bon, voilà, ça on a récupéré. Je recharge le méga bazooka à 10 000. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Il doit y avoir un terminal. Ah non, pas ça, ça c'est bon, j'ai compris. Prendre le bazooka. Alors là, des mûnes, donc ça va m'être utile. Hop, et là aussi. Et. Hop, voilà. Donc. Oh putain, il y a un méchant. Il y a un pays Yankee là. Il est où le pas gentil? Où est le pas gentil? Je comprends pas trop là. Ah, il est là. Ah, mais il est où? Ah, ok. Carrément. Début du combat, boum, je te pète à la gueule, c'est ça? Oh my god, qu'est-ce qui se passe là? J'ai peur parce que vous avez vu la vie qu'il m'a enlevé en m'explosant la gueule quand même. Ok, ça c'est une barrière Hyperion, si je passe dessus normalement je meurs. Non, casse-toi. Porte à explosion à la con là, vas-y non. Vas-y, ils sont où là? Oh putain, c'est que des explosions quoi. Ouais, c'est que des explosions là, franchement ça va être chaud. Ils sont où? Il y en a ici, il y en a un là. Porte à RPG, ça je peux me le faire celui-là encore. Explosion, oh putain. Non, 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 casse-toi, voilà. Oh, il m'a fait mal quand même. Bon merde. Oh non! You serious mec? Bazooka, bazooka, bazooka. C'est intérêt à te tuer ça. Et tiens bouffe. Voilà, mon bazooka maintenant il va me sauver la live, tu vas voir. Ah merde, c'est vrai que c'est la mitraille qui te rend petit. C'est chiant quand même. Hein. Chaque fois je vais oublier, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a un truc à ramasser là? Non, c'est quoi ça? Il y a une vitre. Ah, voilà, alors. Télécharger. Télécharger les données, bah c'est ce que je suis en train de faire. Là, on a un bazooka avec encore quelques balles dedans. Recharge, man. Voilà. Jack a envoyé tout l'iridium qu'il a extrait directement au Heroes Pass. Heroes Pass. Ça doit être là que le guerrier est enterré. Reviens à Sanctuary. Il est l'heure de se préparer pour l'assaut final. No problem, mec. Ah non, c'est bon, on a compris. C'est flingue de merde. Voilà, c'est bon. Allez, let's go.
Et nous y voilà. Oh my fucking god. Suicide, mec. Eh ben non. On meurt pas en tombant dans ce jeu. Ah, je kiffe. Allez, hop. Hop, 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 hop. Putain, je suis coursé par tout le monde. Bouffez-vous ma tourelle. Moi, je me casse comme une pute. Allez, elle me gagne même pas d'XP, quoi. Méchante. Je l'aime ma tourelle. Chargement. Arid Nexus Boneyard. Bon, en même temps, on avance dans la quête principale, donc je pense que peut-être qu'on finira ce let's play pendant les vacances de Noël. Et ouais, c'est très probable. Voilà, donc il faut voir. Après, il me semble... Je crois que AC3, on est à la moitié du let's play. Let's play que j'adore. Non, mais je crois pas qu'on est... Non, on est beaucoup... je sais pas. La vérité, je m'en bats les couilles. S'il faut continuer le let's play, je continue le let's play, je suis un malade mental. Faudra aussi reprendre le let's play Dead Island. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Et évidemment, il y a le let's play Dead Space. Obligé, alors, si je vous fais pas de let's play Dead Space, je me coupe une couille, ok? Ah non, c'est pas... Changement. Au début, c'est marrant, après, c'est chiant, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui... Il y a quelque chose qui me pourchiasse. Oh putain, on me pourchiasse là. Oh putain. Oh le monstre, oh this monster. Dommage qu'on peut pas affronter des monstres comme ça dans le jeu. J'aurais bien aimé. Pour le moment on a affronté que des gros robots. Mais des gros monstres on n'a pas fait encore hein. C'est con ça. Regardez, ça aurait pas... Regardez, c'est pas trop style d'affronter ça. Putain. Oh non, franchement ça aurait été... Oh là là, mais ils sont pas chiants avec leur pistolet mitrailleur là. Bon allez ah regardez, il y avait un truc à véhicule là, ça sera beaucoup mieux. Beaucoup ou mieux de faire tout à pied. Alors. On va te motoriser. Déployer véhicule. Monter dans le véhicule. Voilà. Let's go. Turbo. Need for speed, mec. Hop, hop. Aïe. Le petit poteau de merde qui arrête la voiture, t'sais. Ah non, mais c'était là en fait. Ok. Bon, qu'est-ce que je dois faire de là? Ah, c'est un déplacement rapide. Bon. Ça va, ça va. Yiloupa. Alors, Sanctuary. C'est ça, Sanctuary, voilà, parfait. Parfait, parfait. Il est possible de démembrer les porteurs d'Hyperion. Vous voulez les ralentir, viser la jambe. Ont-ils une arme surpuissante qu'ils essaient de tirer une fois que vous leur aurez explosé le bras? Ah, pas mal. Et oui, j'avais remarqué qu'on pouvait démembrer les robots d'Hyperion. J'avais vu que généralement je tire dans les jambes tellement que je suis mauvais, donc voilà. Mais maintenant je passerai à tirer dans les bras parce que c'est vrai qu'ils ont des putains de RPG. Maintenant c'est vraiment abusé. Et cette mitraillette est vraiment trop belle. Ils me font rager à chaque fois que je fais un chargement. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul comme ça, tu vois. Non, tu peux pas voir, c'est con. Bon, utiliser. Je crois que j'ai débloqué de nouveaux trucs, non? Non. Ah, pré-verdoyant. C'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Alors, par ici, par ici. Papala, papapapam, papapalam. Ouvrir, ouvrir. Et au rapport, Roland il est mort donc il va plus nous faire chier. C'est Mordecai maintenant. Hey, Mordecai. Wesh, wesh, la famille, tranquille. Alors, récompense. Oh, tu donnes pas grand chose, t'es vraiment un bâtard. Hein. L'heure alors, c'est arrivée. Quoi ça? Maintenant. C'est un peu de la merde. Dégâts physiques, précision, dégâts cac, temps de l'attente. Bon, on va prendre ça, on s'en fout. Jack, Lilith et le guerrier se trouvent à Aerospace. Mm-hmm. C'est notre prochaine étape. Le combat final, amigo. Si t'as besoin de te préparer, c'est maintenant. Je te conseille de faire un tour en ville. Les gens n'ont pas grand-chose, mais ils feront tout pour t'aider. Changement d'arme. Bon, bah, on va demander l'aide à tout le monde. Et une fois qu'on aura demandé l'aide à tout le monde, bah on va arrêter la vidéo là et apparemment il y aura le combat final. Donc toi c'est qui? T'es qui toi? Parlez. C'est quoi ça? Dégâts physiques, précision. Oh putain, en fait il donne des bons objets. Ok, j'ai compris. Alors qu'est-ce que je peux jeter? Parce qu'après je pense que j'irai vendre des trucs. Ça c'est un peu de la merde, non? Ça, je crois que c'est un peu... Oh mais ça se vend cher. Oh, c'est vraiment chiant là, il y a des choix à faire. Bah ça c'est, par contre c'est de la... Bon, on va vendre, on va aller vendre les trucs, vous savez quoi, directement, et on va aller récupérer tous les objets. Parce qu'apparemment ils donnent des trucs de malade mentaux hein. Ça a l'air de valoir très très cher et d'être vraiment pas mal. C'est parti, il y a un petit magasin là, je sais, cassez-vous, casse... Ah putain, barrez-vous. Magasin.
Alors, nous allons vendre cette mitraillette qui ne me sert absolument plus à rien. Nous allons vendre... Non plus... Ça je vends... Ça je garde... Alors ensuite, ça, temps de latence, c'est quoi ça? Améliore le temps de latence de compétences d'action, je sais pas ce que c'est... Ouais non mais je vends ça. Dégâts électriques, je vends aussi. Voilà, c'est fait, mode de classe, dégâts grenades, nanana, résistance explosion. Ça peut être intéressant ça. C'est commando, ouais. Ça par contre ça me sert absolument rien. Et ça, commando, régénération santé. Ah ça, ça peut être... Oh, mais il est bon celui-là, non? Attendez, je vais aller vérifier après. Ça, je vends. Merde. Non, j'ai quand même... Ça, je vends. Et voilà. Et donc maintenant, on va voir un petit peu ce que j'ai équipé sur moi. Alors, mode de classe, rien... Ah bah déjà, c'est mieux ça. Bon, bah voilà, c'est réglé. Attendez, vous êtes sûr que c'est mieux? Je me suis référé qu'à la rareté, là. Plus 357. Et ça, c'est combien? Plus qu'à... Bah non, en fait, c'est mieux. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on va aller récupérer les objets que les PNJ ont la gentillesse de vouloir nous donner. De bien vouloir nous donner, donc c'est super. Et en plus ça vaut très très cher. Oh non, mais j'en ai ras le cul, à chaque fois je fais des changements d'armes. Bon allez, c'est réflexe, tu sais, j'appuie. C'est l'habitude des Switch Cup, des Call of, et c'est vraiment une mauvaise habitude, je pense. Ouais, surtout quand tu as une arme qui te transforme en abo quand tu la prends. Bon, alors. J'ai récupéré un truc qui valait 2200$. Parce que moi je compte en dollars pour le coup. Hein, moi ça vaut rien du tout. Claptrap vient me donner une pizza, tu vas voir, un truc du genre. Salut Claptrap. Il est temps d'en finir. Ouais, c'est génial. Je te retrouverai à Iridium Blight. C'est encore pire. Hein? Oh! Il devait me donner des objets les autres. Oh putain, quand tu parles à Claptrap, ça annule tout. Oh les connards, oh le piège de gros bâtard, je vais avoir plein d'autres armes là. Je suis dégoûté. Alors aller à Iridium Blight, en finir, donc nous sommes à la fin du let's play. Bah, si on est à la fin du let's play, ça serait con de pas faire d'épisode jusqu'aux vacances de Noël. Hein. Vu que c'est la fin là, non? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment la fin ou s'il va encore se passer quelque chose. Je m'en fous qu'on me spoil, mais dites-moi réellement si c'est la fin parce que c'est très important. Tout va dépendre. Enfin, ça va réellement dépendre de ça pour la suite de ma chaîne. Donc, dites-le moi, c'est très très important. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, comme d'habitude, j'ai kiffé le faire, sauf les précédents. Les précédents, j'ai pas trop aimé. Franchement, je me suis fait niquer. Alors que là, j'ai grave géré. Donc, je suis vraiment content de moi. Tout seul en plus, sans besoin d'aide. Et je suis comme un grand. Voilà. Donc, bah, je pense que j'ai tout dit. Et bah, chose tout le monde.